The Bible says, la Bible dit, and she travailed, et elle peina en travail. Verse 28 says, in the time of her travail, verset 28, le temps où j'ai peiné. God emphasized it. Dieu met l'accent dessus. If you must arrive at the place of your destiny, you must travail in prayer. Si tu dois arriver à l'endroit de ta destinée, tu dois peiner dans la prière. You must understand the power of prayer. Tu dois comprendre la puissance de la prière. Many of us don't understand that what prayer cannot do, nothing can do. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que ce que la prière ne peut pas faire, rien ne peut le faire. You must have the understanding. You may be well educated. Nous devons comprendre que on peut être bien éduqué. You may have good contact. You may be beautiful. Tu peux avoir de bons contacts. Tu peux être belle. You may be handsome. You may be talented. Tu peux être beau. Tu peux être talentueux. But if you are not prayerful, you are useless. Mais si tu ne pries pas, tu es inutile. You may be tall. You may be short. Tu peux être grand, tu peux être petit. You may be fat, you may be slim. Tu peux être gros, tu peux être mince. But if you are prayerless, you are useless. Mais si tu ne pries pas, tu es inutile. Understand it. Comprends-le. The woman travailed. La femme a peiné. If you must arrive at your destiny, you must travail. Si tu dois arriver à ta destinée, tu dois peiner. The Bible says in Isaiah 66 and verse 8. La Bible dit dans Ésaïe 66 verset 8. Shall a nation be born at once? Shall the earth be made to bring forth in one day? As soon as Zion travail, she brought forth a man child. Un pays peut-il naître un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille, Zion a enfanté ses fils. That is somehow strange. Hear this. He said, can a nation be born at once? Il dit, un pays peut-il naître en un jour? Nations take years to evolve. Les nations prennent des années pour évoluer. If you came to Dubai 15 years ago, you'll be shocked at what you are seeing now. It has evolved. Si tu es venu à Dubaï il y a 50 ans, tu seras choqué. Ça a évolué. Nations are not born at once. Les nations ne naissent pas en un jour. He said, shall the earth bring forth in one day? If you plan something, it doesn't come out in one day. Si tu planifies quelque chose, ça ne vient pas en un jour. But God said, let me tell you how to make it happen in one day. Mais Dieu a dit, laisse-moi t'expliquer comment ça peut arriver en un jour. He said, if you can travail, a nation can be born at once. Il dit que si tu peux peiner, une nation peut naître en un seul jour. If you can travail, the earth can bring forth in one day. Si tu peux peiner, la terre peut naître d'un seul coup. I'm talking about the power of prayer. Je suis en train de parler de la puissance de la prière. The Bible says in the book of Isaiah 65 and verse 24. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 65 verset 24. He said before the call on me, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. Il dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. I'm talking about the power of prayer. Je parle de la puissance de la prière. The Bible says in Luke 18 and verse 1. La Bible dit dans le livre de Luc 18 verset 1. He speak a parable unto this end, that man ought to pray and not to faint. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. In Luke 11:1. Luc 11 verset 1. He said, teach us to pray as John taught his disciples to pray. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. In Psalm 55 and verse 16 and 17. Dans le livre de Psaume 55 verset 17 à 18. He said, as for me, I will call upon God evening and morning, and at noon will I pray. I will cry aloud. God shall hear my voice. Il a dit, et moi je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. In Psalm 18, if you read verse 3. Dans Psaume 18, si vous lisez le verset 3. He said, I will call upon the Lord who is worthy to be praised. So shall I be saved from my enemies. Il a dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. In Psalm chapter 4, if you read verse 1. Dans Psaume chapitre 4, si tu lis le verset 1. He said, when I call upon you, answer me. There is power in prayer. Il dit, quand je crie, réponds-moi. Il y a de la puissance dans la prière. The Bible says in James chapter 5 from verse 16. La Bible dit dans Jacques 5 verset 16.
Elijah was a man of like passion, but he prayed that it should not rain for 3.5 years, and it did not rain. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. There is power in prayer. Il y a de la puissance dans la prière. When you have a desire and you have a petition, quand tu as un désir et tu as une pétition, and you present it before God in prayer, et tu la présentes devant Dieu dans la prière. Marc 11 verset 24. Whatsoever thing you desire, when you pray, believe that you shall receive them, and you shall have them. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. The Bible says in Psalm chapter 145 and verse 16. La Bible dit dans Psaume 145 verset 16. He opened his hand and fulfilled the desire of the living. Il ouvre sa main et exauce les désirs des vivants. In Proverbs chapter 10 and verse 24. En Proverbes chapitre 10 verset 24. He said, God shall grant the desires of the righteous. Il dit Dieu exaucera les désirs du juste. In Proverbs chapter 11 and verse 23. Dans Proverbes chapitre 10 verset 23. The desire of the righteous is always good. Les désirs du juste est seulement le bien. In Psalm 37 and verse 4. Dans Psaume 37 verset 4. Delight thyself in the Lord, he shall fulfill the desires of your heart. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. In Luke chapter 9 and verse 9. Dans Luc 9 verset 9. He desired to see Jesus for who he was. Il voulait voir Jésus tel qu'il était. In Romans chapter 10 and verse 1. Dans Romains 10 verset 1. Paul said, I desire that Israel should be saved. Paul a dit qu'il désire qu'Israël soit sauvé. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? In 1 Samuel chapter 9 and verse 20. Dans 1 Samuel 9 verset 20. The Bible says, after the asses were found, God said. La Bible dit qu'à après que le bœuf ait été trouvé, Dieu a dit. Speaking through the mouth of Samuel, he said to Saul. À travers la bouche de Samuel, il a dit à Saül. Thy father's asses that were missing have been found. He said, but now the desire of all Israel is upon thee. Mais maintenant le désir d'Israël est sur toi. Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? If you can desire it. Si tu peux le désirer. You desire a marriage. Tu désires le mariage. If you can pray. It can happen. Si tu peux prier, ça se réalisera. You desire a destiny. Tu désires une destinée. If you can pray, it can happen. Si tu peux prier, ça arrivera. The Bible says in Hebrews chapter 4 from verse 1 to verse 2. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 1. Let us therefore fear lest a promise be left us from entering into his rest. Any one of you should seem to come short of it. For the word was preached unto them like it was preached unto us, but they could not get anything because they did not mix it with faith. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur survit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. When you pray in faith, answers can come. Quand tu pries avec foi, les réponses peuvent venir. Hebrews chapter 11 from verse 1 to verse 15. Hébreux 11 verset 1 à 15. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained the good report. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Through faith we understand that the world we are framed by the word of God, so that things which we see, we are not made by things which do appear. By faith, Abel offered a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained the witness that he was righteous, God testifying of his gift. By it, him being dead, he yet speaketh. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste,
Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. By faith, Enoch was translated that he should not see death. For before his translation, he had a testimony that he pleased God. For without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is, and is a rewarder of them that seek him. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. By faith, Noah being warned of God of things not seen as yet, moved with fear and prepared an ark by which he obtained a witness, and he judged the world. By faith, Abraham, when he was called to move into a country that he did not know, he obeyed, for he knew not where he went. He sojourned in the land of promise, and is a tabernacle, he dwelling with tents, with Isaac and Jacob, heirs of the same promise. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il subtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit pour savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, des co-héritiers de la même promesse. Verse 10 says, for he looked towards a city which had foundation, whose builder and maker is God. C'est par la foi, car il attendait la cité qu'il a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verse 11 says, by faith, Sarah received strength to conceive seed, and she delivered the child when she was past the age, for she judged him faithful who has promised. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'être une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verse 12 says, therefore sprang one of him as good as dead, of the sand of the sky in multitude, the sand of the seashore innumerable. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. The Bible says, verse 13, all these did not receive the promise, but they saw them afar off, and they embraced them, and they confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verse 14 says, they that say such things declare plainly that they seek a city. For if they had been mindful of the city from whence they came, they would have had opportunity to have returned. Verset 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. He said, but now they desire a country. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. Il dit, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. I am telling you something. Prayer has made a poor man rich. Je vous dis quelque chose. La prière a rendu un pauvre riche. Prayer has made a single girl married. Prayer has made a small man big. La prière a rendu un célibataire marié. La prière a fait d'un petit un grand. I come to prophesy. As you pray, I see your heavens opening. Je viens prophétiser. Lorsque tu pries, je vois ton ciel s'ouvrir. As you pray, I see your life changing. Lorsque tu prie, je vois ta vie changer. As you pray, I see a new beginning. Lorsque tu pries, je vois un nouveau commencement. Somebody shout, I will arise. Quelqu'un crie, je me lèverai.